vouloir tout simplement sauter dans le plus grand trou de Minecraft? Eh bien écoutez, je relève le défi! Eh bien bonjour à tous les amis, c'est FeuJumper, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez compris, pour sauter dans le plus grand, le plus long trou du monde. Et les amis, aujourd'hui, vous allez pouvoir tout simplement me renommer Furious Dropper, car on va réaliser le défi! Et les amis, du coup, comme vous le voyez, on se retrouve simplement pour un dropper nommé... Non, ça c'est le nom du créateur, hein, c'est pas le nom du dropper. Ça aurait pu s'appeler Code Walt, hein, mais ce n'est pas ce nom de dropper. Et d'ailleurs, on va en tester deux. Vous allez voir aujourd'hui, les amis, les deux plus grands qui puissent exister dans Minecraft. Et d'ailleurs, justement, cette map est nommée Falling. Voilà, hein, c'est ça le vrai nom de la map. En gros, c'est tu tombes. Voilà. Je pense que ça résume bien la map. On est d'accord. Donc, du coup, alors, niveau 1. Oh, alors j'ai l'impression qu'on peut choisir les trucs ou pas. Ah ouais, d'accord, on voit rien du tout. Alors pourtant, je suis quand même en render distance au moins plus de la moitié du jeu, mais... Non, attends, mais... Waouh. Mais c'est un délire, parce que d'habitude, vous savez que dans les droppers, on voit au moins, à peu près, ce qui est en bas. Là, c'est pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout le cas. Oh my god. Ah, très bien. Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça, ok. Ah, mais très bien. Non, mais ok, bah écoute, en même temps, c'est le début, hein. Voilà. Donc, je me suis mis à une Night Vision. D'ailleurs, je pense que je le mettrai à chaque fois. Histoire de pouvoir voir. Alors, il me semble. Oh non, c'était de l'autre côté. C'était de l'autre côté, ok. Alors, c'était quoi? Attends, c'était le zombie ou le. Je sais plus. Ah, écoute, on va aller dans le zombie, hein, dans le doute. Ah, c'était pas le zombie. C'est de l'autre côté. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, attends, je suis même pas sûr que. Alors, c'était le creeper. Je suis même pas sûr que. Attends, la source 2, elle bouge pas, on est d'accord, hein. Non, elle bouge pas. Est-ce que c'est une vraie source d'eau? Est-ce que... Oui, c'est une vraie source d'eau, ok. Ok, non, parce que là, s'il m'aurait dit, ouais, il faut appuyer sur le bouton en descendant, j'allais dire, il a déconné, là. Alors là, ok, donc Steve, Creeper, Enderman. Pourquoi? Oui, Enderman, bien sûr. Ender Dragon et... Attends, fais un peu. Ah oui, il disparaît carrément. Bah écoute, je propose zombie. Allez, ça part. Ça part sur le zombie. Oh, oui, c'est ça. Oh my god. Oh, c'est... Oh, c'était chaud. Non, mais attends. Ah, tu es indemne, t'as dit donc. Vu la hauteur, là, il y a au moins 300 blocs, là. Oh, le délire. Non, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des droppers. On voit même pas un bout du truc. Pourtant, vous avez vu, il y a des arbres gigantesques, hein. Mais non, tu vois, tu le vois que dalle. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Oh, une torche, très bien. Alors, est-ce que on peut passer ici? Est-ce qu'il n'y a pas un passage, genre un truc comme ça? J'ai pas l'impression. Alors, on va voir. On va grimper sur tous les arbres, hein, dans le doute. Mais ouais, ça a pas l'air d'être là. Je pense qu'à mon avis, c'est très clairement au niveau de l'arbre là, celui-là. Là. Ouais, on va grimper là. Allez, vas-y, on y va. Il y a des petites énigmes en plus. Ça. Alors, est-ce que c'est là? Non, tu vas pas me dire que c'est pas là non plus. Oh, le petit malin. En fait, il était planqué là entre deux blocs d'herbe. Tiens donc, ok, niveau 3. Alors. Alors, une fois de plus, on voit rien du tout. Hein. Je vois que ça ne sert à rien, le under distance dans le jeu. Oh! Non mais sinon on dirait vraiment qu'il était infini quoi. Olé. Alors ça c'est bon. Alors est-ce que c'est un labyrinthe? Ouais, je crois que j'ai trouvé. Attends, on va peut-être sauter. Ça va être un peu haut, non? Oh, c'est bon. Nice. Oh là. J'ai cru que j'allais passer, hein. Voilà, c'est bon, nickel. Ok, niveau 4. Oh non. Encore un choix. Bah allez, vas-y, Ender Dragon. Ça part. Oh, c'est ça? Oh non, c'est pas ça. Attends, en vrai. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Waouh, la map est tellement grande. Vous avez vu que ça a eu du mal à générer. On va aller sur Steve. J'ai confiance en Steve. Allez, Steve. Oui, la source d'eau. La source d'eau, yes. Oh là là, c'était chaud. Oh, c'était chaud. Alors là, c'est bon, nickel. Le petit passage. Hop, et voilà. Ah non, c'est pas fini, en fait. Le creeper? Est-ce que c'est le creeper? Oh, oui, c'était le creeper. Oh, il y a encore un passage. Oh, voilà, c'est bon. Celui-là, nickel. Bon, ça va. Celui-là, c'était plutôt simple, on va pas se mentir. Ok, niveau 6. Oh, bah, côté... Ah, là, c'est encore pire. Je peux pas savoir où je vais aller. Oh, je sens mal. Oh, c'est une source d'eau infinie. What? Mais c'est la première fois que je vois ça, je crois. C'était un dropper, mais un dropper troll. Voilà, y a pas de problème. Y a pas de... Ah oui, non, par contre. Oh, je peux me noyer. Oh non. Bah oui, parce que je plonge tellement de haut que du coup, avant de remonter à la surface, je me serais noyé, quoi. Oh, c'était... Oh, il aurait pu vraiment me troller de ouf, hein. Très clairement. Yes, et c'est une victoire. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, non mais attends. C'est tout! C'est ça que tu appelles un truc infini? Le plus grand trou du monde de Minecraft? Et bah vous allez voir qu'il y en a un autre, et lui pour le coup, il est vraiment gigantesque! Ok, oui les amis, quand on se retrouve, attention pour le Infinity Jump!
Super. Voilà, c'est marqué. Ah, mais attends, si je change de champ de vision, normalement le FOV. Voilà, alors, on le voit mieux comme ça. Voilà, comme vous le voyez, le dropper infini. Donc là, pour le coup, on peut vraiment dire que là, c'est plus grand. Bah, parce que il est infini. Hein, voilà, il y a pas mieux qu'infini. On est d'accord. Donc, du coup, alors, on se situe à un endroit. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, bah, attends, c'est pas possible qu'il soit infini. Bah, vous allez voir que si, il l'est totalement. C'est véritablement le plus grand trou de Minecraft. Attention, les amis, c'est parti. Ok, donc il faut bien sûr aller le plus loin possible en évitant les obstacles. Ok, ça c'est good. Oh, ça génère aléatoirement. Oh my god, c'est comme si c'était un dropper infini. Bah, c'est un peu le cas, hein. Ok, oh là là, oh, il y a mon score à droite. Oh non, le bloc, le terrible bloc. Ok, j'ai fait un score de 33. Ok, ça passe. Oula, 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 oula. Oh, oh, c'est facile, mais au bout d'un moment, à force de tomber, je peux te dire que ça doit être spécial. Voilà, ok. On continue de descendre. Cette chute, les amis, qui n'en finit plus, regardez. On est tellement profond qu'il y a des chauves-souris, tu vois. Oh là là, mais non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh, mais ça n'en finit plus. Voilà, c'est le dropper infini, le trou infini le plus grand. Ok. En vrai, là, je peux faire un score. Là, je vais faire un score de fou. Nice. Oh, l'assaut. Oh, celui-là est plus dur. C'est beaucoup plus dur. Alors, il faut savoir qu'en plus, si vous aussi voulez le tester à Janum pour essayer de battre mon score, qui pour l'instant pas trop mal, vous pouvez, mais en plus de ça, vous allez pouvoir potentiellement, si vous voulez, changer. Oh non! Vous allez pouvoir changer, j'allais dire, le dropper si vous voulez. Vous pouvez carrément éditer et tout. Hein. Ok, vas-y, on avait fait 119. Ok, on est d'accord. Vous avez screené. Hein. Non, ça, vous screenez pas. Non, ça, non, vous avez rien vu. Ça, le 7, ça compte pas. Voilà, c'était 119. Ok, 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 c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Ce générateur, quoi. Oh, tiens, un peu à droite. Yes, c'est bon. Oh, il y a un smiley. C'est bon signe. Ah, j'ai cru que non, ça voulait dire que le prochain niveau... Oh, j'ai failli manger un bloc. Prochain niveau allait être facile, mais... Oh, c'est pas le cas. Oh, c'est... Oh, c'est chaud. Oh là là. Ok, celui-là, ça passe. Ça passe. Ça passe ou ça casse. C'est bon. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça ne s'arrête plus. S'il vous plaît, je veux toucher une source d'eau, au moins. Je regarde... J'ose même pas regarder mon score. Je le regarde même pas, les gens. Oh, il y avait marqué Hyde là. Salut. Ok. Oh, je vais bientôt battre mon record. Ok, ça va le faire. Ça va le faire. Oh là là, oh là là. Oh, celui-là va être terrible. Oh, quoi que. Oh, oh non, mais non. Oh, je l'ai battu. J'ai fait 122. J'avais fait 119 avant. Oh là là. Oh là là, terrible. Oh, j'aimerais bien tenter le 200. Oh, le 200, ça serait ouf. Ouais, vous savez quoi? Allez, on va tenter le 200 quand même. On va le tenter. Oh, attends, est-ce qu'il y avait quand même le nom du créateur ou pas? Voilà, c'est ça, donc c'est Think Lovers. Voilà, de toute façon, vous aurez la map dans la description comme MLG. Attention, MLG. Bon, MLG un peu raté là pour le coup. Ok, nickel. Ouh là 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 là. Oh, bon, c'est bon ça. Ça passe. Ouf, c'est terrible. Oh, c'est terrible. En vrai, faut que je redescende au moins tout ça 10 fois pour battre mon score. Au moins. Ok. Oh non, j'aime pas quand c'est au-dessus comme ça. Ah, et en plus, et il a bien choisi les blocs, hein. Blocs de quartz, les pires, qui sont de la même couleur que le vide intersidéral, là. Oh là 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 là, ça n'arrive même pas à générer la fin de la map, quoi. Bon, en même temps, il y en a pas vraiment de fois, hein. Parce que là, tu peux descendre comme ça 500 fois si tu le veux. Oh là là, je suis concentré, je ne cligne plus les yeux. Ok, ça va le faire. T'es la ninja. T'es la ninja, ouh. Je bats mon record. Ok, faut pas que je regarde trop loin, en fait, j'essaie de regarder beaucoup trop loin, et du coup, c'est comme ça que je me mange les blocs de quartz. Regardez les petits, là, c'est les pires. C'est les pires, c'est les pires. Oh my god. Oh my god. Ok, 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 ok. Oh, on est bien, les amis. Oh, on est bien. Oh, on fera peut-être pas le 200. On le fera peut-être pas. Oh. Oh là là. Oh là là, oh là là, comment je peux... Oh my god, si, on l'a fait. Yes. Le 200, oui, les amis, c'est fait. Oh là là. Oh là là, je tremble, vous imaginez pas à quel point. Oh, et c'était la chute. 224, les amis, de score, ce qui est énorme. C'est énorme, franchement. Il me semble que le créateur avait dit justement que c'était... je crois que lui, il avait fait 122, un truc comme ça. Et là, normalement, si vous prenez le livre, vous allez voir que, regardez, en appuyant ici, hop, on peut éditer, regardez. Absolument tout. What? C'est génial. Donc si je mets par exemple... Attends, on va se la jouer un petit peu, hein. On va prendre du rouge. Est-ce que j'ai de la laine rouge? Attends, de la laine rouge.
Ouais, bon, on va taper laine. Je veux de la laine. Ah oui, c'est vrai, c'est en anglais, c'est pour ça, j'en ai pas vu. Ok, tac, voilà. Et si par exemple, je remplace ceci, vous allez voir, tellement c'est trop bien fait. Enfin, je l'ai pas testé, hein. Ça se trouve, je dis ça, tu vas voir, mais y a rien qui change, tu vois. Si je mets ça, genre comme ça. Regarde, voilà, comme ça. Vous savez ce que je vais faire, vous le savez très bien. Voilà. C'est effectivement ce que vous pensez. Vous avez raison, c'est exactement ça. Oui, 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 bah écoutez, j'aime bien. Hein, voilà, voilà, je vais pas vous mentir. Hein, voilà. Ok. Voilà, le petit FJ là. Tu vas envoyer du lourd. Ok. Alors, on va éviter quand même d'aller trop loin, hein, bien sûr. Voilà. Y aller. Eh, c'est beau. Regardez ça, c'est beau. Voilà, nickel. Bon, on va même le mettre comme ça un petit peu, regarde, de double barre. Oh là, oh là, non, 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 je vais pas faire bugger le truc. Voilà, allez, regarde ça. Nice. Regardez ça, c'est beau. Yay, il est magnifique. Et là, normalement, donc si je retourne là-bas, est-ce que ça va le générer? Est-ce que ça va le générer? On va voir. Ok, the back of the top. Et là, voilà, et en plus, c'est automatique, nickel. Et là, on retente. Allez, c'est parti, on va voir si ça va générer mon TFJ. Ça serait bien, bon, pour ce faire, il faudrait éviter de se manger les premiers blocs, on est d'accord? Ok, tranquille, voilà. Ça veut dire que tu pourrais même faire du rainbow, quoi, du full dropper rainbow, quoi. Ok, alors, et vu le nombre de blocs, vous avez vu qu'il y avait, ça peut prendre un temps avant de le voir, hein. On est d'accord? Allez, ça descend, nickel. Yes, yes, allez, je veux voir mon FJ. Oh, mais non, oh, il était là, mais non. Il était là. Est-ce qu'on va le revoir ou pas? Oh, il est là, oh, c'est beau. Yes! Ah, oh, c'est génial! C'est génial! Oh là là, ah, oh, c'est beau! Bon, je me suis mangé de blocs, mais c'est plutôt pas mal! Et écoutez, les gens, je pense qu'on peut dire qu'on a complètement géré cet Infinity Dropper! Hein, bien sûr, c'est infini, pas Infinity, tu vois! Où on a tout simplement descendu dans le plus grand trou du monde de Minecraft! Avec un score, je vous rappelle, de. Je crois que c'était 222, un truc comme ça! Hein. Bon, c'était pas très loin! Bon, au moins plus de 200! Voilà, hein, déjà, ce qui est assez énorme! Mais j'ai été voir, en fait, le véritable score du créateur, c'est 22! Voilà, donc, bah écoutez, hein, voilà, écoute, first dropper, hein, j'ai envie de te dire, voilà, j'en ai même pris un screenshot, tu vois. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite map dropper complètement génialissime vous aura extrêmement plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Ainsi que vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Je vous remercie grandement, les amis, c'était Furious Jumper, alias Furious Dropper, et je vous dis à très bientôt. Salut, les amis.